instrumental et l'auteur du scénario de nombreux albums de bandes dessinées qui ressemblent à des fables modernes, le poulet de Broadway ou le cochon à l'oreille cassée. Jeannot, illustrateur, lui, est l'inventeur du personnage de Gasoline. Ils se sont associés pour Le Pygmée Géant, un conte moral très amusant et très bien vu qui paraît aux éditions du Seuil Jeunesse. Dans un village pygmée d'Afrique équatoriale, le vieux Ndeke Yemba est conteur d'histoire. Et l'on prétend d'ailleurs qu'il n'en connaît qu'une seule, celle de Kolikolo, dont le nom veut dire « celui qui gratte le ciel ». Car Kolikolo est un géant, et sa taille perturbe les habitudes de la communauté, au point qu'il est contraint de s'exiler. Il arrive jusqu'à New York, où il devient une vedette de la fameuse NBA, le championnat de basket américain. Mais Kolikolo n'oublie ni sa forêt natale, ni son village. Sur un canevas tout à fait intelligent, Jeannot propose une vision de l'Afrique et aussi de l'Amérique vraiment remarquable. La ville posée au bord du fleuve Congo, le terrain de sport troué de flaques d'eau, le Manhattan nocturne dépaumé abondent en détails finement observés qui traduisent remarquablement le génie des lieux.